La conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est une partie de l'œil. C'est ce que vous voyez en blanc au niveau de l'œil. Donc, c'est une inflammation aiguë de la conjonctive qui peut être due à des virus ou bien à des bactéries. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'on doit retenir. Une inflammation aiguë de la conjonctive qui peut être virale ou bien bactérienne. On est sur un mode épidémie, c'est-à-dire ça se transmet rapidement. Donc, qui dit viral dit que le mode de contamination peut être rapide, par les mains notamment. Donc, on recommande fortement aux personnes qui sont contaminées, particulièrement par exemple les parents chez eux avec les enfants, qui s'ils ont des enfants contaminés, de les retenir à la maison, devant plus que l'année scolaire s'approche, et d'améliorer leur hygiène des mains. Si c'est viral, il faut revenir bien sûr sur les signes de la conjonctivite, c'est-à-dire il y a une rougeur de la conjonctive, c'est-à-dire la partie blanche de l'œil, mais également avec une larmoiement, c'est-à-dire un écoulement de larmes, mais également une sensation de sable dans les yeux. Donc, si c'est viral, le plus souvent ça guérit spontanément. Donc, ça signifie que le traitement, c'est seulement à base d'antiseptique. Qui dit antiseptique, dit mesure d'hygiène, hein, donc lavage des mains avec du savon, nécessairement aussi fréquemment que possible, et diminuer nécessairement les salutations. Dans notre pays, il va sans dire que socialement, c'est très difficile parce que si vous ne donnez pas la main, on considère que vous n'êtes pas social. Alors que donner trop la main, ce n'est pas indiqué. D'autant plus que s'il y a une épidémie qui peut être transmise par les mains.